Mais après, ouais, c'est lundi que je partirai, donc... Oh, quoique tu me diras, je peux quand même le faire aussi. S'il y en a un la semaine prochaine, je pourrais quand même le... Ah bah non, la semaine prochaine, ça sera en trio. Oh putain, encore Skype 1, hein. La semaine prochaine, ce sera en trio et Soup, il est pas là, donc je sais pas avec qui je pourrais le faire. Ça fait un peu chier de changer de team en plus. Passe de... Il faut vraiment qu'il fasse un truc pour les alliés, hein, parce que là j'ai cru que mon mate c'était un ennemi. J'ai mis des balles pour rien du coup. C'est bien au moins si on fight tous en bas du bâtiment. Pas de grosse campus de mort en haut. What, ça l'a fait sur la bagnole. Tu vois, pour moi, le TDM, ça serait censé être tout le temps comme ça. Genre, on fight tous non-stop. On n'est pas en déséquilibre numérique. On est tous 1 contre 1, 3 contre 3, machin. Enfin, on est censé être 8v8, tu vois. Et t'as des fights intenses. Puis c'est pas de la campouse, c'est pas des mecs qui te spawn kill 1v5, des trucs comme ça. Avec la fumée, je fais tous les shots. Ah, ils ont pris le top, c'est pour ça qu'il n'y a plus personne. Petit coup de balai.
J'aurais pas dû lâcher mon Toggler violet, j'aurais dû lâcher ma Tommy pour le minigun, parce que j'ai rien de loin du coup. Oh la mort vient du ciel là. Oh le minigun c'est trop fun. Oh j'adorerais pouvoir jouer cette arme tout le temps. En fait c'est ultra... comment dire ça? C'est compliqué parce que ça réduit tes mouvements de fou, mais t'augmente ta puissance de feu. Donc en fait faut faire ultra gaffe parce que c'est toujours le même problème de faire mal, mais si t'as un mouvement de merde tu te fais déchirer. Donc du coup c'est vachement... je sais pas, satisfaisant.